J'ai un truc vraiment honteux. Vas-y. Ok. J'ai essayé de me percer le nombril toute seule quand j'étais adolescente. Je pense que je devais avoir 13 ou 14 ans et j'étais en internat en plus. Il me fallait quelque chose pour anesthésier, endormir cette partie ventrale. J'ai pris des glaçons dans un verre, je suis remontée dans ma petite chambre et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais avec une aiguille de couture. Je me suis dit, bon ben c'est bon, je vais juste endormir la peau et la chair de mon ventre. Mais vraiment, j'ai pris cette aiguille, j'ai commencé à me transpercer le nombril. Très très peu finalement, c'est très douloureux. Évidemment que c'est douloureux, ça ne pouvait pas marcher. Donc j'ai juste transpercé en surface de la peau, un truc ridicule où finalement je pouvais passer un clou, une boucle d'oreille, un petit clou posé sur le ventre. C'était juste posé, enfoncé de 1 mm sous la peau. C'était nul. Heureusement, j'ai pas eu d'infection. En fait, j'aurais pu mourir de ça, d'un piercing au nombril. Tout ça pour être comme Britney Spears, c'est ridicule. Quelques années plus tard, me faire un vrai piercing au nombril, que bien sûr, quelques années plus tard, j'ai retiré. Je me retrouve avec un trou qui sert à rien. Ne faites jamais ça. Réfléchissez bien à tout ça avant de vous faire transpercer.